Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un vlog pour la Japan Expo 2019 où j'ai pu me rendre ce vendredi 5 juillet. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. Une première partie où je vous montre les images que j'ai pu tourner lors de cette Japan Expo. Et la deuxième partie où je vous donne mon avis du coup sur cette Japan Expo et également les jeux auxquels j'ai pu jouer. Donc n'attendons plus, c'est parti!
Alors la Japan Expo fête ses 20 ans cette année et donc pour l'occasion ils ont mis les grands moyens, il y avait beaucoup d'invités, beaucoup de stands, beaucoup de choses à voir. Moi-même j'ai pas pu tout faire en une journée pour vous dire à quel point il y avait vraiment beaucoup de choses et beaucoup de monde, surtout d'où le fait que je n'ai pas pu faire grand chose au final parce que pas mal de files d'attente et c'était assez dur de circuler de stand en stand. Mais dans l'ensemble voilà, j'ai passé une très très bonne journée. Ça a surtout été pour moi l'occasion de revoir Olimar, également mon ami Rorokun que j'avais pas vu depuis un petit moment, donc ça m'a fait énormément plaisir. Malheureusement il n'y avait pas Willow et j'ai surtout aussi pu rencontrer en vrai pour la première fois mon ami Francisco, voilà, avec qui j'étais en contact via vidéo ou alors par message. Donc franchement j'ai passé un super moment avec eux et j'ai vraiment passé une très bonne journée. Après, cette vidéo va vraiment être focalisée sur le jeu vidéo, j'ai pas eu le temps vraiment de m'attarder sur les stands manga ou tout ce qui est culture japonaise, ça a été vraiment assez compliqué. Mais du coup en termes de jeux vidéo, qu'en est-il réellement? Alors on va pas vous le cacher, l'éditeur qui était vraiment présent en masse c'était Nintendo. Trois gros jeux jouables: Zelda Link Awakening, Pokémon Bouclier Épée et forcément Luigi's Mansion 3. Donc vraiment trois gros hits que j'ai pu essayer, même si j'ai dû attendre un petit peu, je vais pas vous le cacher, il y avait de l'attente surtout pour Pokémon. Et étrangement Luigi's Mansion 3, il y avait pas forcément beaucoup de monde, j'ai pu passer facilement. Et du coup ce Luigi's Mansion 3, qu'est-ce que j'en ai vraiment pensé? Bah écoutez, c'était une petite tuerie clairement. Le jeu il est super beau, les effets de lumière sont magnifiques, les animations sont top, level design a l'air vraiment bien foutu, j'adore les nouveautés qui sont apportées, la ventouse, le Luigi, donc cette espèce de Luigi en slime qu'on peut débloquer en cliquant sur le bouton R, là c'était vraiment hyper sympa, c'est hyper interactif, on peut vraiment interagir avec beaucoup de décors, les fantômes qui sont hyper fun, voilà, qui ont beaucoup de mimiques, qui ont vraiment des interactions très sympas, et on a plusieurs façons vraiment de les vaincre, il y en a qui se protègent, il y en a qui sont très simples à tuer, en plus on a la possibilité de les fracasser contre le sol en appuyant, en martelant le bouton A quand on les aspire. Donc vraiment il y a vraiment pas mal de choses à faire. J'ai pu également combattre un boss, donc cette espèce de chevalier, enfin de roi qui part dans son armure et on fait des espèces de combats de joute. Donc franchement c'était vraiment hyper sympa en termes de gameplay, c'est hyper fun, c'est hyper instinctif et ils reprennent vraiment le meilleur de Luigi's Mansion 1 et 2, on le sent dans ce jeu parce qu'il y a vraiment des éléments des deux jeux. Donc rien que pour ça j'ai hâte de voir ce jeu. Ensuite Pokémon Bouclier et Épée, donc la démo, alors le jeu est très bien attention, mais je suis mitigé sur cette démo. Pourquoi? Parce que c'est une simple arène, donc on fait l'arène de l'eau où il faut juste faire les mécanismes pour pouvoir atteindre la championne d'arène, on a quelques combats mais au final on voit pas grand chose du jeu, voilà, parce que faire juste une arène ça ne montre pas grand chose. J'aurais préféré qu'on nous mette dans ce monde semi-ouvert avec un temps limité pour qu'on puisse être free de faire un peu ce qu'on veut, découvrir un peu la map, la capture, les combats, mais vraiment qu'on ait un peu plus de choses à voir parce que là c'était assez limité au final, même si c'était très bien, attention, je n'ai rien à cacher, les animations au combat sont très belles, le jeu est très joli finalement, je m'attendais à pire quand j'avais vu les premiers trailers, donc c'est plutôt cool. Après ça reste du Pokémon, ça reste classique, et après il y a le combat contre la championne d'arène, donc la championne de l'eau, qui est très classe sur son chara-design je trouve, donc ça c'est un très bon point. J'ai pu découvrir ces fameuses sessions de combat avec les Pokémon en Dynamax. Donc le Dynamax, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va rappeler son Pokémon sur le terrain et le faire réapparaître en mode gigantesque, genre il est plus grand qu'un building, limite le Pokémon. Et ça va durer pendant 3 tours, on peut le faire qu'une seule fois par combat. Donc moi perso je l'ai ressenti comme le remplacement de la méga évolution. Donc c'est très bien fait par contre en termes d'animation, quand on rappelle le Pokémon, qu'on le revoit en mode géant, il y a vraiment ce sentiment d'immensité. Les attaques également sont beaucoup mieux mises en valeur parce qu'elles sont devenues surpuissantes, donc elles sont vraiment beaucoup plus impressionnantes. Donc honnêtement c'est très très bien. Après est-ce que ça va apporter vraiment quelque chose d'exceptionnel au jeu ou vraiment un gros plus? Non, parce que au final je retrouve un peu ce que j'avais avec la méga évolution en plus impressionnant. Certes, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Et quand la personne qui m'a fait tester la démo m'a demandé à la fin mon avis sur la démo, je lui ai dit clairement que c'était très très dur de donner un avis sur une démo où on fait juste une simple arène. Après je lui ai donné mon avis sur le Dynamax en lui disant que c'était très très beau, voilà, que c'était très impressionnant, mais que pour moi ça n'apportait pas grand chose au jeu et que j'aurais préféré découvrir justement cette espèce d'open world, découvrir d'autres choses qui justement apportaient plus d'intérêt pour moi. Mais vous en faites pas, je pense que ça sera un très bon Pokémon, hein. C'est juste qu'on ne voit pas assez pour se faire un véritable avis sur le jeu. Et ensuite j'ai pu tester Link's Awakening, donc le fameux Zelda de mon enfance, mon tout premier jeu, ce fameux remake qui était prévu à la base sur 3DS et qui arrive le 20 septembre sur Nintendo Switch. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoutez, très 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 content. Alors
Il n'y a rien de révolutionnaire, attention, si vous avez fait le jeu d'origine, clairement quand j'ai pris la manette, on a le début du jeu, en fait on peut jouer 15 minutes sur le début du jeu. Vous voyez, j'aurais préféré avoir ça sur Pokémon finalement. Et du coup je commence le jeu et je veux y aller un peu en mode speedrun pour pouvoir essayer d'aller le plus loin possible et voir si vraiment ça avait changé par rapport au jeu d'origine, et ça n'avait pas changé d'un poil. Donc j'ai commencé à courir, aller sur la plage, récupérer mon épée, et ensuite je suis allé dans la forêt, récupérer le champignon pour le donner à la sorcière qui m'a donné la potion que j'ai mise sur le raton laveur. Le raton laveur qui va débloquer le chemin, j'ai récupéré la clé, puis je suis allé dans le premier donjon. Et c'était plutôt cool au final, et j'ai fait ça en mode speedrun et je suis arrivé jusqu'au mini-boss du donjon. Et j'ai vraiment passé un super moment sur le jeu. C'est très très beau, j'adore la direction artistique, alors ça va pas plaire à tout le monde, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, moi je suis fan de ce côté un peu plastique, très coloré, assez joué, je trouve ça très mignon. La direction artistique est vraiment fidèle à l'esprit du jeu d'origine, donc très content. Je suis allé également dans le magasin et je peux vous rassurer, on peut encore voler dans le magasin. J'ai volé la pelle, c'était vraiment fun, c'était vraiment les souvenirs. Donc c'est vraiment le jeu ultra nostalgique si vous avez fait le jeu d'origine. Et vraiment si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à découvrir cette version qui arrivera le 20 septembre. Et ça va vraiment promettre du lourd. Alors après, léger bémol, il y a des moments où ça manque un peu de fluidité. Il y a quelques chutes de frame, voilà. Donc ça saccade un petit peu à des moments. Mais c'est vraiment très très léger. C'est assez rare. C'est en général quand je passe d'un écran à un autre de temps en temps. Donc ça m'a pas choqué, mais je l'ai remarqué. Et je pense que ça sera corrigé sur la version finale. Enfin, je l'espère, hein. Ils ont encore un peu de temps pour faire ça. Mais voilà, en tout cas Zelda, je vous donne rendez-vous. Et c'est vraiment un jeu à ne pas louper pour cette rentrée. Ensuite, sur le stand de Nintendo, j'ai pu jouer également à Yo-Kai Watch 4 sur Nintendo Switch. Alors le jeu était en japonais, donc c'était un peu compliqué de comprendre, mais c'était la première fois que je touchais à un jeu Yo-Kai Watch. J'en ai acheté un sur 3DS aux dernières soldes, mais que je n'ai pas eu le temps encore d'essayer. Et là du coup je me suis dit, bah on va tester, parce que Francisco et Rocco m'ont dit vas-y essaye et tout. Donc j'ai essayé et c'est plutôt joli, voilà. Alors ça saccade beaucoup, je trouve. Il y a des moments où il y avait pas mal d'aliasing, mais dans l'ensemble c'est plutôt joli. Les combats avaient l'air plutôt fun, donc ça m'a assez plu, voilà. Je me dis pourquoi pas, ça m'a limite envie de donner envie d'essayer la 3DS, la version 3DS. Donc je pense que j'essaierai un soir, pourquoi pas, avant de me coucher, pour voir un peu ce que ça vaut. Mais j'ai bien aimé, voilà, je trouvais ça plutôt cool. Ensuite j'ai pu essayer Cuphead également, la version Switch, parce que je ne l'ai pas encore acheté. J'attends la version physique avec le DLC. Et vu que le DLC est annoncé pour 2020, ben, je pense qu'on peut encore attendre cette version physique. Mais c'est pas grave, j'attendrai, j'ai déjà la version Xbox One. Et Cuphead sur Switch, ben, écoutez, ça tombe très très bien, voilà. Les chargements sont un peu plus longs. On s'est regardé avec Francisco, on a fait bon, le chargement il est un peu long. Mais dans l'ensemble, le jeu est très très bien, on a joué à deux. C'est la première fois que je joue à deux à Cuphead en plus, donc c'était plutôt cool. C'était un peu brouillon, je trouvais, à deux, mais parce que je suis habitué à jouer seul sur Cuphead, donc à avoir que mon perso et là de voir deux persos, ça m'a un peu perturbé, mais c'était plutôt cool. Katana Zero ensuite, que j'ai pu voir également, j'ai pas eu le temps de l'essayer, ça je vais vous le dire, mais j'ai regardé un peu jouer parce que c'était à côté de la bande Cuphead et pendant que j'attendais, bah, du coup je regardais Katana Zero. Et le jeu a l'air juste énorme, c'est juste magnifique, la direction artistique, ce côté pixel art, ça me plaît énormément. Donc ça va être un jeu que je vais faire absolument, ce Katana Zero. J'ai ensuite essayé Lady Layton sur Nintendo Switch, donc on m'a clairement confirmé que c'est exactement la version 3DS avec de légers petits ajouts. Alors j'ai pas trouvé que ça justifiait l'achat, et en plus honnêtement jouer à la manette c'est pas agréable du tout sur un Layton. Honnêtement, faudra jouer en mode portable avec l'écran tactile de la Switch, parce que à la manette c'est vraiment pas ergonomique du tout. Ensuite il y avait du Tsum Tsum sur Nintendo Switch. Alors je n'y ai pas joué, j'ai regardé les amis jouer. Il y avait Rokun, Francisco, Limar qui s'était mis en mode on va faire une petite partie sur Tsum Tsum. Alors c'est du party game semblerait. Il y avait une sorte de jeu qui ressemblait un peu à un Pac-Man. Voilà, il y avait plein de petits jeux. Bon, ça avait l'air mignon. Après, est-ce que c'est le jeu que je vais faire sur Switch? Voilà, pourquoi pas, à voir. J'aime bien les party games, mais ça sera pas Day One, ça c'est clair. Ensuite, j'ai vu également Hollow Knight Silksong, donc la suite d'Hollow Knight, premier du nom, qui est juste magnifique, clairement. Il est juste sublime en termes de DA, c'est vraiment le digne successeur du premier épisode. Au gameplay, ça a l'air hyper nerveux, c'est juste une bombe. C'est vraiment un futur hit, j'ai vraiment hâte que ça sorte. J'aimerais une version physique, voilà, il y a la version physique d'Hollow Knight, premier du nom, qui arrive sur Switch prochainement, là, ce mois-ci. Et j'aimerais qu'une version physique également sur ce Hollow Knight 2. Donc voilà, je l'attends avec impatience et ça va vraiment promettre des heures de jeu sur ma Switch. Pendant que je faisais la
file d'attente pour jouer à Pokémon, il y avait sur la scène une présentation exclusive de Fire Emblem Three Houses avec Toshiyuki Kusakehara, qui est le chef graphic designer, et Genki Yokuta, le directeur du jeu. Et du coup, on a pu découvrir une longue phase de gameplay avec en premier lieu une phase dans la ville où on nous montrait vraiment toutes les possibilités, les interactions avec les personnages, la gestion de ses classes, etc. Donc vraiment, c'était très impressionnant. Alors la ville n'est pas forcément des plus belles, il y a des petits soucis notamment sur les effets de lumière et d'ombre que je trouvais un peu limite, mais c'était quand même très grand avec la possibilité de se téléporter de zone en zone, etc. Avec beaucoup beaucoup de possibilités d'interaction, de choix, donc vraiment très impressionné par ça. Et ensuite on a eu le droit à une bataille exclusive également, donc c'était vraiment des scènes inédites uniquement présentées à cette Japan Expo, donc franchement j'étais hyper content de pouvoir découvrir ça en même temps. J'aurais été dégoûté de louper ça, et la scène de combat était juste géniale. Je me suis vraiment régalé, il y avait beaucoup de possibilités, ça a été vraiment dynamisé, beaucoup de choses à faire. Et par contre du tout, quand on passe en mode combat, j'ai trouvé ça plutôt joli, notamment lorsqu'il y a les animations de combat où j'ai vraiment été quand même assez impressionné, avec un gros monstre hyper beau, les interactions et tout sont vraiment pas mal. Donc ce Fire Emblem, j'ai hâte de mettre la main dessus, ça arrive le 26 juillet prochainement, et ça je vous ferai une grosse vidéo là-dessus, je vous le promets, parce que c'est un jeu que j'attends énormément. J'ai pu essayer aussi le Marvel Ultimate Alliance 3, qui est une exclue Nintendo Switch, et que j'attends quand même, parce que finalement je l'attendais pas tant que ça. J'y ai joué et finalement c'était plutôt cool, notamment pour jouer en multijoueur, c'est ça qui est cool avec ses potes. Donc voilà, pourquoi pas, c'est joli sans être exceptionnel. Mais voilà, c'est le fait de pouvoir jouer les personnages de l'univers Marvel. Surtout qu'avant, j'étais pas forcément un grand fan quand j'avais fait le Marvel Ultimate Alliance 2. Parce que c'était pas forcément mon truc, les Marvel et tout. Mais depuis que j'ai vu les Marvel, les Avengers, etc., ben, je suis plus familiarisé avec la série. Et du coup, ben, ça me donne envie. Après, concernant le reste des jeux chez Nintendo, soit c'était des jeux qui ne m'intéressaient pas tant que ça, et ou sinon que j'ai pas eu le temps de voir vraiment. Ou alors, c'est des jeux que j'avais déjà. Il y avait notamment le Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate. Et il y avait également du Splatoon, voilà, beaucoup de compétitions, Smash Bros, Splatoon, Mario Kart. Donc franchement, très bonne ambiance sur le stand Nintendo. Il y avait la présentation aussi des nouveaux Amiibo qu'on pouvait voir en vitrine et qui sont juste magnifiques. Il y avait Snake, dresseur de Pokémon, Link, de Link Awakening, qui est juste magnifique avec ce côté très laqué, voilà, qui fait très joué en plastique. Et j'ai vraiment hâte de l'acheter, ça va être day one pour moi avec le collector du jeu. Alors avant de continuer, je vais vous parler un peu de mon petit coup de gueule. Il n'y avait pas Namco Bandai, il n'y avait pas de stand avec des jeux, et ça je suis triste parce que je pense qu'on aurait pu découvrir notamment le Dragon Ball Kakarot. Voilà, j'aurais bien aimé essayer pas mal d'autres jeux qu'on attendait de la part de Namco Bandai, donc ça je suis un peu triste. Voilà, donc ça c'est mon petit coup de gueule de la Japan, qu'on n'ait pas eu un stand Namco Bandai. Alors on va reprendre avec les essais de jeux, du coup sur le stand de Square Enix. Alors pareil, Square Enix, petite déception, pas de FF7, j'étais très triste, juste la présentation de la figurine qui sera dans le collector, donc Cloud avec sa moto. Bon, que je n'aime pas particulièrement parce que j'avoue que les play arts articulés, je suis pas forcément le plus grand fan, même si je trouve ça sympa, mais je préfère une belle figurine non articulée, bien détaillée. J'aurais préféré quand même essayer la démo du jeu, mais bon, c'est dommage. À la place du Final Fantasy XIV Shadowbringer, donc qui était vraiment l'une des grosses stars du stand Square Enix, il était vraiment omniprésent sur le stand, que je n'ai pas essayé, voilà, parce que j'aimerais le faire chez moi. Et pourquoi pas vous faire des lives FF14, parce que franchement c'est un jeu que j'aime particulièrement et que j'aimerais vraiment vous faire découvrir, parce que j'adore l'univers de FF et je trouve que ce jeu était vraiment une réussite. Et du coup sur le stand de Square Enix, j'ai surtout essayé le Dragon Quest Builders 2 qui va arriver du coup ce mois-ci. Je me rappelle plus la date exacte, mais il arrive ce mois-ci, je vous l'avais mis dans ma select, donc n'hésitez pas à aller voir la select si vous ne l'avez pas encore vu. Ben, le jeu est plutôt bon, il est très joli, il reprend du coup ce qui a été fait sur le premier épisode, donc c'est une sorte de Minecraft clairement à la sauce Dragon Quest, mais je trouve qu'il y a un charme que je préfère à Minecraft, parce que je n'aime pas Minecraft. Je n'ai pas l'univers de Minecraft, je trouve ça pas beau du tout. Et là, du coup, avec cet univers Dragon Quest, ben, ça me donne envie. J'avais fait la démo du premier, je ne l'ai pas fait le premier, j'ai juste fait la démo sur Switch, que j'ai trouvé plutôt sympa. Et là, c'est vrai que ça m'a bien plu également. Donc je pense que je vais me laisser séduire un moment, j'attendrai qu'il baisse de prix, ça sera pas un jeu que je prendrai day one. Mais pourquoi pas un jour le faire, et déjà commencer par le premier, ça serait bien. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y avait également Sega qui était présent avec une pièce magnifiquement thématisée sur les années 90. Donc ça refaisait vraiment la chambre typique des années 90 avec les jouets, les gâteaux, il y avait les dinosaures, tous ces jouets qui faisaient notre enfance. Et forcément des télécathodiques et des Mega Drive Mini.
parce qu'il y avait la présentation de la Mega Drive Mini que j'ai pu essayer. Et franchement, bah écoutez, elle est plutôt pas mal. La manette est assez légère, mais de bonne qualité. Ça fait plaisir de voir un beau catalogue sur cette petite Mega Drive Mini. Alors j'ai pu essayer, on pouvait essayer tous les jeux. Je me suis attardé sur Castlevania The New Generation, parce que forcément fan de Castlevania. Et cet épisode, il est pas courant parce que jusqu'ici, il n'avait jamais été réédité. Et depuis peu, on l'a dans la compile des 50 ans de Konami. Et du coup, sur cette Mega Drive Mini qui va arriver prochainement. Et ça tournait plutôt bien, écoutez. Alors, ça ralentissait un petit peu quand j'ai eu énormément d'ennemis à l'écran. Mais dans l'ensemble, franchement, ça tourne très très bien. C'est beaucoup mieux que la PlayStation Mini, clairement. Donc, je pense que celle-ci, on va pouvoir y aller les yeux fermés. Le catalogue, en plus, est plutôt bien fourni. Il y a vraiment du jeu de qualité, du jeu qu'on peut pas trouver partout. Et si vraiment vous voulez jouer à du rétro, notamment chez Sega, sans vous ruiner, il y a quand même des jeux sur cette Mega Drive Mini que vous pourrez trouver à des prix assez exorbitants en version physique si vraiment vous voulez collectionner. Mais voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête à avoir des boîtes de jeux, des cartouches, une console à part qui prend un peu plus de place, prenez cette Mega Drive Mini qui sera un très bon compromis en termes de prix et vous aurez vraiment une console de qualité avec des jeux de qualité pour vous faire plaisir. Atlus nous a offert un magnifique stand pour le remaster de Catherine Full Body qui arrivera sur PlayStation 4 en septembre. Alors je n'ai pas eu le temps d'y jouer, voilà, clairement je n'ai pas eu le temps d'aller sur ce stand parce que quand j'ai voulu y aller, la Japan Expo commençait à fermer ses portes et ils empêchaient les gens du coup de pouvoir essayer la borne. Donc j'étais un peu dégoûté clairement, mais j'ai vu un peu les gens jouer du coup à travers le stand et ça a l'air d'être hyper fidèle du coup à l'épisode d'origine. Voilà, forcément sur PlayStation 4 ça sera plus joli, il y a des ajouts qui ont été apportés, de nouveaux personnages d'après ce que j'ai compris, de nouveaux embranchements scénaristiques. Donc voilà, j'ai hâte de mettre la main dessus. Je pense que celui-ci je le prendrai parce que j'avais énormément aimé Catherine. Alors c'est très particulier hein, pour ceux qui connaissent pas. Il y avait également un stand Falcom avec pas mal de jeux, il y avait du Disgaea, mais moi le jeu que je voulais essayer, c'est un jeu que je connaissais de nom uniquement et j'avais vraiment envie d'essayer. Il s'agit de Trails of Cold Steel 3, que je connaissais vraiment pas avant, je connaissais vraiment que de nom. Et ça a été une très très belle surprise, une très belle découverte. En plus le jeu était traduit en français pour la démo. Un très bon RPG que j'ai vraiment bien apprécié. Alors techniquement c'est pas le jeu le plus beau, mais alors le système de combat, j'ai vraiment adhéré à 100%, je me suis vraiment régalé. Ça m'avait fait penser un peu à ce système sur Eternal Sonata. On pouvait choisir soit de se déplacer sur la map de combat, soit de préparer des attaques. Quand on charge des attaques, on peut choisir la zone d'attaque. Donc des fois ça peut être des grosses zones d'attaque, donc on peut toucher plusieurs ennemis, des fois c'est en ligne. Donc franchement je me suis bien régalé, j'ai bien aimé ça. Et j'ai tellement aimé ce jeu que j'ai réussi à trouver dans le Micromania à côté de chez moi l'épisode numéro 1 sur PS4. Donc pour vous dire à quel point j'ai vraiment aimé ça et j'attends du coup cet épisode 3. Alors je crois que le premier n'est pas traduit en français donc je verrai bien, mais j'ai quand même envie de l'essayer. Voilà, j'essaierai de me démerder en anglais comme je peux parce que les RPG c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec l'anglais, mais c'est pas grave. Et donc j'ai également eu l'occasion de pouvoir essayer un jeu que je voulais prendre, mais j'étais encore assez hésitant pour l'achat. On va dire Day One, bon il est déjà sorti mais on va dire au prix fort. Et du coup là j'ai été convaincu. Alors à la base on était allé pour les amis Francisco et Rorokun qui voulaient aller sur le stand de Pix & Love pour acheter le fameux collector de Samurai Shodown, donc le jeu légendaire de la Neo Geo qui est arrivé sur PlayStation 4 et Xbox One. Et du coup pour cette version collector inédite Japan Expo, il s'agit d'une boîte en forme de boîte de jeu Neo Geo, donc qui est vraiment du plus bel effet. Franchement quand je l'ai vu ça m'a tellement donné envie de l'avoir. Le problème c'est que c'est sur tirage au sort parce qu'il n'y en a pas beaucoup et du coup faut être tiré au sort pour pouvoir avoir la chance de l'acheter. Et malheureusement quand on arrivait c'était trop tard, on pouvait plus faire de tirage au sort pour la journée, donc on était un peu dégoûté. Francisco qui a essayé de s'infiltrer sans succès malheureusement. Francisco, tu n'es pas Snake, tu ne peux pas rentrer chez Pix & Love et prendre un exemplaire malheureusement. T'en aurais pris deux, t'en aurais pris un pour moi. Mais du coup on s'est consolé en jouant à la borne qui était disponible à côté avec le jeu. Et c'était juste une claque pour moi, c'était vraiment un gros coup de cœur. La direction artistique visuellement c'était juste magnifique. Alors c'est sûr c'est pas le plus beau jeu de combat, mais en fait il y a une direction artistique qui est tellement sublime, avec des super effets d'estampes japonaises qui sont vraiment très très réussis. Les animations, les effets de lumière sont très très beaux. Donc voilà, j'ai de suite pris le jeu en collector, mais le classique vendu par Pix & Love,
qui est quand même en édition limitée, hein. Donc moi je l'ai pris sur PlayStation 4, voilà, donc vous l'avez juste ici, avec un magnifique artbook et quelques lithographies à l'intérieur. Donc vraiment une très belle boîte comme vous pouvez le voir. J'avais la possibilité de le faire dédicacer par la dessinatrice du jeu, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps d'aller faire la dédicace. C'était à 14h30, à 14h30 on était bloqué. Donc malheureusement voilà, il n'est pas dédicacé, mais je suis très content de l'avoir pris, je ne regrette absolument pas. Et voilà, donc là c'est la fin de mes essais jeux vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez chargé, il y avait quand même beaucoup de stands. Et encore je vous ai pas tout raconté, il y avait plein de stands, il y avait pas mal de VR, pas mal de choses, mais c'était vraiment impossible pour moi de tout faire en une journée, sachant qu'en plus, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas vu Roku Nolimar et que je rencontrais Francisco, on a pris le temps de parler, de se poser un peu, et franchement c'était super agréable, on a bien rigolé et j'ai vraiment passé un bon moment avec eux. Après il y avait également tous les stands rétro gaming, il y avait notamment MO5 avec pas mal de bornes, avec de la Super NES, de la GameCube, de la PlayStation, de la Game Boy, voilà, beaucoup de choses à essayer. Il y avait le stand du Namco Show pareil, avec quelques petites bornes, de la VR. Il y avait également Marcus que vous pouviez rencontrer, beaucoup de stands également de jeux musicaux, du Dance Dance Revolution, du Just Dance, pas mal de jeux de rythme également. Donc vraiment c'était très grand, il y avait une partie rétro gaming qui était plutôt sympa, même si je trouve qu'il manquait quand même pas mal de choses en rétro gaming, je préférais que ça soit un peu plus étoffé, mais dans l'ensemble voilà, il y avait pas mal de choses. Ça a permis aux générations qui n'ont pas connu toutes ces consoles rétro de découvrir des petites pépites, peut-être de déclencher des vocations chez certains de collectionneurs. Donc franchement voilà, c'est vraiment un très bon moment pour partager cette Japan Expo, il y avait vraiment une très bonne ambiance. En plus il faisait frais, il faisait pas chaud, donc c'était agréable parce que dehors il faisait très chaud. Quand on est sorti c'est vraiment le sauna, le coup a été assez dur quand on est sorti parce que franchement ça a cogné d'un coup alors qu'on était au frais à l'intérieur, la clim marchait plutôt bien, pas mal de monde, beaucoup de stands pour acheter des figurines, des produits du Japon, etc. Donc moi en termes d'achat, d'habitude je me lâche et cette année j'ai juste acheté le Samurai Shodown, voilà, je n'ai rien acheté d'autre. Il y avait une figurine de Freezer qui me tentait bien mais je l'ai pas prise parce qu'elle était au même prix que si je la prenais chez Micromania Zing, et chez Micromania Zing j'ai des points qui peuvent me donner des bons d'achat, donc je me dis pour le même prix autant l'acheter là-bas. Je me suis pas lâché cette année avec ma carte bleue, en même temps avec tous les achats que j'ai fait jeux vidéo il fallait que je me calme, et notamment mon nouvel appareil photo avec lequel je filme en ce moment. Donc il se peut qu'il y ait des petits problèmes notamment sur la mise au point etc, donc les mises au point qui se fassent automatiquement parce que j'ai pas encore vraiment réglé parfaitement l'appareil, mais normalement vous allez voir une amélioration de la qualité, notamment aussi sur le micro que j'avais changé aussi. Donc je suis plutôt content parce que les vidéos vont s'améliorer au fur et à mesure. Mais du coup c'est pas fini parce que il reste une autre partie. Déjà les petits goodies que j'ai pu avoir à la Japan. Donc on va commencer avec la Mega Drive Mini, où on avait le droit à une petite casquette Sega Mega Drive. Chez Nintendo, quand vous essayez Pokémon, vous avez le droit au petit chapeau Pokémon, où vous pouvez choisir entre les trois starters. Moi j'ai pris Whistempo. Alors malheureusement il s'est déjà déchiré, hein. C'est pas très solide malheureusement. On pouvait le régler et tout mais ça se déchire super vite. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, hein. Ça reste mignon, pourquoi pas, si j'arrive à le scotcher tout, quand le jeu sortira, je ferai la vidéo avec le petit chapeau. Et ensuite, il y avait aussi un petit poster Final Fantasy Brave Exodus, qui malheureusement n'a pas survécu au voyage, il était tout abîmé, donc j'ai dû le jeter malheureusement. Et également le petit CD de démo du FF14. Voilà, donc ça c'était pour les goodies, il n'y avait pas beaucoup de goodies cette année. Square Enix, on essayait le Final Fantasy Shadowbringers, on avait un tour de cou également, mais bon... j'ai pas eu le temps d'aller essayer le jeu et puis ça je préfère l'essayer tranquillement chez moi. Nintendo, il n'y avait pas grand chose, hein. On nous a juste donné le chapeau, sur le stand Zelda il n'y avait rien, Luigi Mansion il n'y avait rien, alors d'habitude on a des petits tours de cou et tout. Bon là il y avait moins de goodies cette année mais c'est pas grave, je suis pas là pour ça. Et ensuite on va passer à la partie cadeau et ça je m'y attendais vraiment pas et je suis très heureux et je les remercie encore. Voilà, Francisco, Rorokun et Willow qui m'ont fait des cadeaux et voilà, je suis très touché, je vous remercie vraiment. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'ils m'ont offert et voilà, merci vraiment de tout cœur, ça me touche beaucoup. Donc on commence, Francisco qui m'a offert déjà avant tout ce petit cadre lumineux Super Mario World qui est très mignon. Voilà, bon j'ai pas mis la pile sinon il peut se brancher également, mais voilà, très beau, je vais le mettre sur mon bureau à côté de mon PC. Alors ensuite j'ai toujours eu le droit de la part Francisco qui m'avait fait une pièce de colis avec plein de petits trucs à l'intérieur, donc un petit mug Super Nintendo qui est très sympa, un stylo Zelda Breath of the Wild. Donc au début je pensais que c'était un stylet, en fait c'est un stylo, donc il est plutôt cool également, voilà, il est plutôt joli. En plus bon, les stylos j'en ai toujours besoin pour écrire donc c'est cool. Du coup qui dit stylo dit carnet, donc un carnet en forme de cartouche de Super Mario Land, trop chouette.
Le deuxième en forme de tablette Sheikah de Zelda Breath of the Wild, donc également super cool. Des petits dessous de verre en forme de boîte de Super Nintendo, donc plutôt cool. Voilà, il y en a 4, il y a Super Mario Kart, Zelda Link to the Past, Super Metroid et Super Mario World. Il y avait également un deck de Final Fantasy, donc là c'est l'épisode 9, donc mon préféré. Très content parce que j'ai les cartes Final Fantasy. Alors j'ai arrêté d'en acheter mais j'en ai pas mal et je les trouve vraiment magnifiques. Donc merci beaucoup Francisco pour ça. Et attendez, c'est pas fini. Donc ensuite un petit porte-clés, voilà, bloc, qui fait du bruit. Donc attendez, je trouve le bouton. Voilà, comme vous pouvez entendre. Et qui s'allume. Donc il est trop chouette, j'adore. Quelques petits stickers Tales of Berseria. Donc ça c'est plutôt cool, j'adore la série Tales of. Un petit boîtier de rangement pour jeu 3DS avec un stylet de la licence Zelda. Donc il est également super cool. Donc merci beaucoup. Ensuite, un petit set de pins de Ni No Kuni 2. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ils sont trop mignons. En plus c'est en forme de petit coffre. Il est vraiment très très stylé. Donc j'aime beaucoup, donc ça c'est hyper sympa également. Et on finit les cadeaux de Francisco avec deux jeux DS. Donc un Rhythm Paradise sur DS, donc que je n'avais pas dans cette version là, donc merci beaucoup. Et le dernier, j'ai fait un arrêt parce que je suis un grand fan de cette série. Je cherche à avoir tous les épisodes de cette série pour ma collection. Voilà, je vais pas faire de full set de console mais des full set plutôt de séries que j'aime particulièrement. Et celui-là je ne l'avais pas et merci beaucoup. C'est le Castlevania Dawn of Sorrow sur DS, un épisode que j'avais fait à l'époque, que j'adore, et je suis hyper heureux de l'avoir, donc vraiment merci, et très content d'avoir cet épisode qui va rejoindre du coup la collection Castlevania. Et on finit du coup avec les cadeaux de Rorokun et Willow, donc c'est 3 jeux, donc 2 jeux de Wii et un jeu de PS2, et franchement, vous pouviez pas me faire plus plaisir, c'est des jeux que je voulais vraiment. Et merci vraiment, merci, vous êtes fous les gars, et je vous remercie, je fais que dire merci, je sais, mais ça me touche énormément, je suis très très heureux. Donc il y a Ivy the Kiwi sur Wii, donc c'est un jeu que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert grâce à la chaîne de Rorokun et Willow. Donc n'hésitez pas, je vous mets les liens également en haut de la chaîne de Rorokun, Willow et Francisco, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous l'avez également dans la description. Franchement ils font des super contenus et des fois on découvre de véritables petits trésors que je ne connaissais pas, et il y a beaucoup de jeux que j'ai découvert grâce à eux. Celui-ci est vraiment très très sympa, c'est un petit jeu de plateforme avec beaucoup de charme et j'ai vraiment hâte d'essayer ce jeu et pourquoi pas vous le faire découvrir à nouveau, mais vous pouvez aussi le découvrir sur la chaîne de Rorokun et Willow. Ensuite un Wario Land The Check Dimension sur Wii également que je n'avais pas, je n'ai jamais fait cet épisode là. Et je suis hyper heureux de l'avoir et de pouvoir l'essayer. J'avais fait l'épisode Gamecube, je m'étais arrêté là sur les Wario Land. Donc voilà, je suis vraiment content. En plus, il a l'air vraiment très très beau. Et c'est vrai que c'est un jeu que je cherchais à avoir aussi. Donc franchement, voilà, merci, merci, merci beaucoup. Et on finit avec un jeu PS2. Et celui-ci, je le voulais aussi. C'est le Wild Arms 5, du coup, que je n'avais pas, que je n'ai jamais fait celui-ci. Et je suis très 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 content de l'avoir. Mais j'adore la série de Wild Arms et celui-ci je l'avais vraiment jamais fait, je le connaissais juste de nom, je n'ai même jamais vu de gameplay de celui-là pour vous dire, donc ça sera vraiment une découverte. Donc voilà, c'était les cadeaux que m'ont fait les amis et merci vraiment, ça me fait énormément plaisir les amis, et voilà, je ne sais que dire de plus. C'est vraiment fou, j'ai vraiment passé une super Japan Expo et j'étais vraiment crevé en rentrant. Je me suis endormi en jouant à Samurai Shodown, voilà, j'ai voulu continuer à explorer le jeu et j'étais tellement fatigué que mes yeux se fermaient tout seul et je me suis endormi d'une traite. Donc voilà, un très très bon moment, j'en garderai de très très bons souvenirs et vraiment de très belles rencontres aussi. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à réagir en commentaire si vous avez fait la Japan, à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner également vos coups de cœur et vos coups de gueule de cette 20e édition. N'oubliez pas également les petits pouces si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour soutenir la chaîne, ça fera énormément plaisir et puis ça nous permettra d'agrandir la communauté. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les amis.